Et on démarre par les audiences avec vous, Pierre Desereau de Pure Média. Bonjour. Bonjour Philippe. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé mardi soir, donc hier? Alors hier soir, c'est France 3 qui s'est classée en tête des audiences. Comme la semaine dernière, la 3 a pu compter sur sa série policière Alexandra L avec Julie Depardieu. 4 millions de Français ont suivi l'épisode inédit de la soirée, 18% du public. C'est parfaitement stable sur une semaine et c'est un très bon niveau. Je dois le dire, on porte souvent bonheur puisque Julie Depardieu était notre invitée hier. Voilà, exactement. TF1 est deuxième avec de nouveaux épisodes de SWAT, sa série américaine du mardi soir. La Une proposait 2 épisodes inédits de la saison 2 de sa série sur le Special Weapons and Tactics, une unité d'élite de Los Angeles. Et en moyenne, la série d'action portée par Shemar Moore a rassemblé 3 400 000 fidèles. 15,7% de part d'audience, c'est en légère baisse sur une semaine. En troisième position, on retrouve M6, une fois n'est pas coutume pour un mardi soir. La 6 proposait du cinéma et plus précisément le film Maléfique avec Angelina Jolie, alors que sort le deuxième opus demain. Et c'était donc une rediffusion et 2 500 000 téléspectateurs ont suivi ce film Disney, 11,2% du public. Enfin, on retrouve France 2 en quatrième place, mais avec un bon score pour sa soirée spéciale, l'émission pour la Terre, un programme de solutions pour réduire notre impact sur l'environnement et présenté depuis un plateau recyclable à Paris par Anne-Elisabeth Lemoine et Nagui. 2 300 000 personnes ont suivi cette émission d'un genre nouveau, 12,3% du public. Encore une fois, c'est un score qui est vraiment pas mal. Du côté des autres chaînes? Du côté des autres chaînes, on retrouve W9 qui tire son épingle du jeu avec une rediffusion de La Vérité si je mens, alors que sort demain... Ils font tous le même truc. Exactement. Quand un film sort le mercredi, le mardi, on te passe l'ancien. Voilà, et ça marche bien. 900 000 téléspectateurs pour La Vérité si je mens. 4% du public, c'est pas mal pour W9. Et on recevait hier Jérôme Fougeret, le patron de W9, comme quoi notre émission porte chance. Alors Pierre, vous voulez revenir sur les audiences de lundi? Lundi, je l'ai dit, c'était le lancement de la nouvelle émission avec Éric Zemmour sur CNews. Émission qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre, pardon, avant même sa diffusion. Oui, absolument. C'est certainement l'un des programmes qui a le plus fait parler en début de semaine, bien au-delà même de la planète média. Il s'agit de Face à l'info, la nouvelle émission animée par Christine Kelly, tous les soirs à 19h sur CNews, avec Éric Zemmour en débatteur principal. Et lundi, 253 000 téléspectateurs ont suivi le lancement de cette nouvelle émission, dont les débats portaient notamment sur l'islam. Alors 253 000, ça ne paye pas de mine comme ça, mais c'est un score très nettement supérieur à la moyenne habituelle de la case. Depuis la rentrée, CNews rassemblait chaque soir à cet horaire un peu plus de 80 000 personnes avec l'émission Punchline de Laurence Ferrari. 3 x 8, 24, 253 000, il a plus que triplé l'audience. Exactement, et il s'est même offert le luxe de dépasser LCI, la principale rivale en audience de CNews, la chaîne info du groupe TF1, qui depuis la rentrée avait pourtant près de 100 000 téléspectateurs d'avance sur sa rivale. Reste quand même à voir s'il s'agissait d'un effet de curiosité ou si la présence d'Éric Zemmour boostera durablement l'audience de CNews. Évidemment, on donnera les audiences de l'émission d'hier, demain, puisque ces audiences-là arrivent dans la journée pour la TNT. On va débriefer l'émission, nous, dans notre infomédia, comme si vous y étiez. Merci Pierre, à demain.